dans Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Nabokanda Yohane kapo ya mita molongo ya zomi. La parole de Dieu nous dit ceci. Dilo anzambe lobina biso boye. En vérité, je vous le dis. Ya solo na lobina bino. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Moi na kogi kosa eloko te soki na ye moko. Mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Kasi kaka oye azayi komona tata kosala. Et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait également. Dans d'autres versions, le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Ça, c'est la relation père-fils. Celui qui nous parle, c'est le Seigneur Jésus. Il nous dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait. Le Fils. Le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Le Fils se retrouve dans le Père. Le Père se retrouve dans le Fils. Ce que le Père fait. Le Fils doit faire ce comme le Père fait. Et il faut qu'il fasse encore des choses plus grandes. Alléluia. Amen. Et dans Jean 14, 12, le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais vers le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils fait. Parle. Parle comme son père. C'est comme ça, lorsque Pierre avait régné le Seigneur, on lui a reconnu par son langage. Alléluia. Amen. Et dans 2 Timothée 2, 1 à 2, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. 2 Timothée 2. Timothée amibale, mokapo yamibale. De 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Les mêmes enseignements que
Timothée a reçu de Paul. Oyo Timothée a yeba ikozwe pa ya Paulo. À son tour. Il doit prendre les mêmes enseignements. Les confier lui aussi à des hommes fidèles. Qui seront aussi capables d'enseigner les mêmes enseignements à d'autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant tout ce temps, je laisse à mes fils de parler. Que le Dieu que je sers vous utilise plus que moi. Alléluia. Le souci du cœur du Père, c'est de voir ses fils aller très haut. Que la grâce qui travaille en moi travaille aussi en vous. Au nom de Jésus. La connaissance de la parole de Dieu que le Saint-Esprit m'a donnée. Recevez-vous aussi. La grâce que le Seigneur m'a faite des miracles, des guérisons, des prophéties, de donner des messages avec précision, recevez cela aussi. La grâce de la prière, de l'intercession que le Saint-Esprit m'a donnée, recevez aussi. De sorte que même si je pars en mission, il y aura plus de vie d'ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La démonstration d'esprit et de puissance. On doit. Si tu es sorti de mes entrailles, on doit retrouver mon ministère en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je parlais à un grand homme de Dieu. J'ai prié avec lui pendant presque 4 jours. Lui, il commence à faire la prière à la fin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je lui ai dit ce matin, c'est écrit où? C'est écrit où? La prière de, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une seule place où le Seigneur a dit, c'est dans Matthieu 28, verset 19. 18 à 19, il dit allez. Et faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La seule place. Mais s'agissant de la prière, il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Mais d'où vient vous priez et puis vous terminez par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, si je vous dis ça, parce que je suis votre Père spirituel. Parce que vous imitez du n'importe quoi. Vous imitez n'importe quoi. Parce que tel vient de là, parce que tel est. Je veux. Lorsque tu prêches,
tu prêches comme moi. Alléluia. Amen. Avec mes mots. Bien-aimé. Balingami. Vous savez, la force des sectes, c'est quoi? La force des sectes, ils prennent les mêmes mots, les mêmes enseignements, ils les communiquent partout, 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 partout. J'étais musulman. Un musulman peut prier partout dans le monde entier. Le musulman, même s'il va en Chine, il va prier. Même s'il va en Russie, il va prier. Car ce sont les mêmes paroles, les mêmes mots, les mêmes prières. Alléluia. Amen. J'invite le prophète Dodo. Nazakubinga prophète Dodo. Dodo, tout ce que le Saint-Esprit te dira, fais-le. Tout ce que le Saint-Esprit mettra en toi. Si tu es mon fils, ne crains personne. Enseigne et prêche. S'il faut se lever contre quelqu'un, fais-le. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie dans ce lieu? Il y a que quelques gens qui sont dans la joie ici. Ah, je vois que tu es maintenant dans la joie. Parce que le psalmiste a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est comme si cet homme savait une chose. Que dans la présence de Dieu, il ne faut pas passer des airs. Mais il faut croire à la présence de Dieu pour être sauvé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Regarde la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas dans la joie, change de place. Parce que la tristesse est contagieuse plus que le Covid-19. Regarde bien la personne à côté de toi. S'il n'est pas dans la joie, dis en tout cas, je suis désolé, je change de place. Parce que je ne veux pas être contaminé par la tristesse. Aussi longtemps que la Bible dit, je suis dans la joie. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde est dans la joie? Salue ton prochain à gauche et à droite. Peut-être la personne que tu salues aujourd'hui, c'est le futur chef de l'État. Peut-être c'est le futur ministre. Peut-être c'est lui le gouverneur du lendemain. Luka Kimia de Lopolobo Ebité. En recherche la paix, puisqu'aujourd'hui tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Oh yes. Le lendemain appartient à Dieu. Et seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cela veut dire qu'il contrôle le temps, il contrôle les circonstances. Rien ne peut s'échapper à Dieu. Voilà pourquoi même lorsque tu passes des temps difficiles, le maître des temps est au contrôle de toutes choses. Job savait ces choses. Il a dit, mon rédempteur ne se levera pas en premier, mais il se levera les derniers. Après avoir le combat, après avoir tout dit, après avoir tout parlé, et c'est alors que mon rédempteur, il se levera pour confondre l'ennemi. Yes. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Merci encore à papa. Que Dieu le bénisse. Vous savez, j'ai toujours dit,
Vis-à-vis de papa, je suis Paul. Liboso na papa naza Paul. Il a eu beaucoup des enfants. Moi, je suis le dernier comme Paul. Serait dérangeant est allé haut. Dieu va beaucoup m'utiliser. Si ça te dérange, je cherche Dieu. Je veux beaucoup bénéficier de cet homme. Parce que je connais les secrets. Je parle pas trop. Je prie beaucoup. Et je sais ce que j'ai dit. Que Dieu soit loué pour cette opportunité. J'ai entendu la sœur lui dire qu'il demandait qu'il y avait un témoignage. Et malheureusement, les gens ne veulent pas témoigner. Vous savez, pour toi, être dans ce lieu, c'est un miracle. La vie n'est pas question d'habitude. Nous sommes le résultat de l'intercession de Jésus. Si Jésus n'avait pas intercédé pour vous, vous n'allez pas être dans ce lieu. Il faudrait qu'il y ait des gens qui bénissent Dieu pour la vie. La Bible dit, la vie vaut mieux que la nourriture. Les corps vaut mieux que le vêtement. Quelqu'un peut te faire habiller du matin au soir. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, le beau corps que tu as aujourd'hui, ce corps appartient à Dieu. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Il faut savoir être reconnaissant à Dieu pour la vie que Dieu te donne, pour le corps que Dieu te donne. Nous sommes toujours dans ce mois de Pâques. Bizarrement, je suis devant la chair. Je me sens fort. Je suis sous cure. J'ai voulu même appeler papa pour lui, papa, je ne saurais pas. Mais j'ai entendu une voix qui me dit, va. Nous sommes toujours dans ce mois de Pâques. Papa a beaucoup expliqué sur la Pâques le dimanche dernier. Si vous n'étiez pas là, bénissez le Seigneur. Vous savez, la Pâques, hein, ce n'est pas seulement célébrer la résurrection. Mais la Pâques, c'est célébrer celui qui est ressuscité. Et je parle de Jésus-Christ, notre Pâques. Un jour, papa avait dit, la Pâques, c'est l'indépendance chrétienne. C'est-à-dire, nous sommes libres maintenant. Et cette libre, c'est par rapport au diable. Parce qu'on était esclaves du péché. Nous sommes libres par rapport au mal. Nous sommes redevenus esclaves de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque le maître t'achète, tu es libre par rapport au ton premier maître. Mais tu es redevenu esclave de la personne qui t'a acheté. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit que nous sommes libres, c'est par rapport au péché, par rapport au premier maître. Nous sommes redevenus esclaves de Jésus-Christ. Lorsque vous achetez un pain dans un magasin, ce pain n'appartient pas au magasin maintenant. Ce pain vous appartient maintenant. Je me redirai à quelqu'un ce matin que tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Parce que tout le monde, son péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu dans la nouvelle naissance. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
La Bible dit, elle vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tel que nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons célébrer la Pâque. La Pâque n'est plus seulement le mois d'avril. La Pâque, c'est notre vie. Aussi longtemps que Christ n'est plus dans la tombe, la Pâque c'est chaque instant. C'est à chaque heure il y a la Pâque. La Pâque n'est plus sur le mois d'avril. Parce que Christ ne repose pas sur la tombe. C'est-à-dire nous sommes censés à célébrer la Pâque chaque jour. Parce que Christ est notre Pâque. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu 27, 62. Jusqu'au 66e verset. Quelqu'un peut lire rapidement. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 62. 62 jusqu'au 66e. Au 66e verset. Amen. Amen. L'obiwana ezaki mokolo sima ya bobongisami. Banganga nzambe oya minene pe bafalisai. Bakendeki elongo epa ya Pilato. Pe balobi. Nkolo, tozo kanisa ete, ete mokosi wana, alobaki wana yazaki na ino na bomoi, ete sima mikolo misato na kosekwa. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre. Pesa mitindo ete bayeba kosenjela nkunda. Jusqu'au troisième jour. Kino mukolo misato. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple. Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendrez. 66. Ils s'en allèrent et s'assirèrent du sépulcre. Après avoir scellé la pierre et posté la garde, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. La Bible dit le lendemain, qui était le jour après la préparation, il y a un groupe de gens qui sont venus vers Pilate. C'était de principaux sacrificateurs et le pharisien. Ils sont allés voir Pilate et écouter ce qu'ils ont dit à Pilate. Nous nous souvenons que ce menteur avait dit qu'il va ressusciter le troisième jour. Ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour. Et je bénis le Seigneur parce que Pilate leur a demandé de faire ce qu'ils ont pensé à faire. Mais une chose très importante, Église de Dieu, le pharisien, le sacrificateur, la Bible dit, ils se sont souvenus de ce que Jésus avait dit et qui combattait Jésus et qui était en train de combattre Jésus. Mais ils se sont souvenus de la parole de Jésus. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. Les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais les gens qui combattaient Jésus-Christ pouvaient s'en souvenir de ce que Jésus avait dit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes les situations dans ta vie, souviens-toi de ce que Jésus a toujours dit.
dans toutes les circonstances de la vie, il y a un ainsi dit l'Éternel. Dans tout ce que tu peux voir dans ta vie, il ne manquera pas un ainsi dit l'Éternel. Ça peut être logos, ça peut être rhéma. Logos, c'est-à-dire la parole qui est écrite, et rhéma, c'est la parole qui est révélée de Dieu. Mais à ce que je sais, dans tout problème, peu importe la situation, Dieu a un message qu'il va te donner. Dieu a un message qu'il te dira. Peu importe le problème, peu importe les circonstances, il faut s'en souvenir de ce que Dieu a dit. Ces gens ne craignaient pas Dieu. C'était des sacrificateur. Mais la Bible dit, il se sent souvenir de ce que Jésus avait dit. Demande à ton prochain, est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a dit? Est-ce que d'habitude, souviens-tu de ce que Dieu a dit? Le problème sera toujours là. Nous ne sommes pas épargnés du problème. Mais la solution sera toujours là. Et lorsqu'il y a des problèmes, il y a toujours un message de Dieu au rendez-vous. Même lorsque vous êtes enfermé comme Jérémie, la Bible dit que Jérémie était enfermé dans la cour royale. Mais la parole de Dieu lui est venue lorsqu'il était enfermé. Tu peux être enfermé ce matin. Tu peux voir des blocages. Aussi longtemps la parole de Dieu ne peut être bouclée, aussi longtemps que personne ne peut freiner la parole de Dieu, c'est cette parole qui te fera sortir de là. Jérémie était enfermé, mais la parole de Dieu n'était pas enfermée. Et puisque la parole de Dieu, on ne peut pas l'enfermer, voilà pourquoi la parole de Dieu est capable de te délivrer ce matin. Peu importe l'endroit que tu es, lorsque la parole de Dieu vient, la parole de Dieu c'est lui-même. Lorsque sa parole vient, c'est lui-même qui vient. Le sacrificateur, ils ont repensé à ce que Jésus avait dit. J'aimerais dire, comme papa a dit, que tous les disciples de papa, il faut toujours repenser sur ce qu'il a dit. Il faut toujours repenser sur ça. Et c'est très important. La Bible dit, ils ont dit à Pilate, ordonne que le sépulcre soit gardé. Ordonne que le sépulcre soit gardé. Ces gens pensaient qu'ils pouvaient arrêter la prophétie qui a été dite pour Jésus. Ces gens arrêtaient. Ils pensaient arrêter la résurrection de Jésus. Ces gens pensaient qu'ils pouvaient empêcher ce que Dieu a dit de s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rendus à Dieu. Pilate leur a demandé de mettre la garde. La Bible dit qu'ils ont roulé un pied. Ils ont mis des soldats. Et je ne pense pas que c'était des soldats juifs pour que les gens ne puissent pas dire il a coopéré avec les juifs. Je crois que c'était des soldats romains qui ont été placés devant là pour s'assurer réellement que les disciples ne pouvaient pas coopérer pour prendre le corps de Jésus et dire qu'il est ressuscité. Ils ont mis des gardes. Bien aimé dans le Seigneur, les gardes étaient là devant la tombe de Jésus pour sécuriser cette tombe afin que Jésus ne résiste pas. Je bénis le Seigneur et ils pensaient qu'ils ont mis des gardes, mais en réalité c'était des témoins qu'ils avaient placés là pour que lorsque Jésus Christ va ressusciter, que ces gens-là deviennent des témoins. Je prophétise ce matin sur quelqu'un, la pierre qui est devant de toi, les gens qu'on a mis devant de toi, ils deviendront des témoins. Ils deviendront des témoins de la bénédiction.
malédiction de Dieu sur toi, le blocage qui est devant de toi, les armées qu'on a mis devant de toi, les soldats devant de toi, ils vont devenir des témoins. Il faut que le témoin soit là. Ils vont manquer de paroles à dire. Ils sont témoins de ton élévation. Ils sont témoins de ta victoire. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des choses que Dieu permet. Pilate avait permis. Il a permis que les soldats soient là. Ils ont roulé même la pierre, s'assurant que rien ne peut se passer. Mais ils ont oublié une chose, croyant que c'était des ennemis. Mais ces gens devaient servir des témoins. Ils devaient servir des témoins. Bien-aimé dans le fermier, qui est celui qui a placé des gardes devant ta vie? Ce ne sont pas des gardes, ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Ce ne sont pas des gardes, ce sont des témoins. Ils vont aller rendre compte. Ils vont aller dire à leur maître, réellement il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus là. Il est ressuscité. Quel est cet homme qui pense à pécher ta bénédiction? Quel est cet homme qui pense à pécher ta résurrection? Ils ont mis des soldats, mais ce n'était que des témoins. Ce n'était que des témoins. L'homme là qui t'a fui, ne t'inquiète pas, bien-aimé dans le Seigneur, mais appelle-lui. Dis-lui, fais me laisser des témoins. Dis-lui, fais me laisser des témoins. La personne qui t'a fui, dis-lui une chose. Tu peux t'en aller, mais laisse-moi des témoins. Parce que ce que Dieu fera, je veux que des témoins viennent te dire, viennent te dire, de rapporter ce message. Dis à cet homme qui pense que tu es bloqué, même qui t'a fui, cette dame qui t'a fui, dis à cette personne, please, s'il te plaît, laisse-moi quand même des témoins. Laisse-moi quand même des témoins. Dis à ton prochain, laisse-moi quand même des témoins. Parce que tu sais ce que Dieu fera. Dis à cet homme, laisse-moi des témoins. Même s'il ne veut pas te regarder, dis-lui, laisse-moi quand même des témoins. Batala ndenge na kobala, batala ndenge na komata. Bongo baya kola kisayo baya koe biso sango. Baka ngangata ba foto lelo, lobi ba memela yo. Litato li onzamba osala kati nangai. Il faut qu'il y ait des témoins. Il faut qu'il y ait des témoins. Parce que lorsque Dieu agit, et y a banaka, atamota boy komona, akoyoka, sera boy koyoka, akomona, kobi sikanzamba salaka, et y a banaka. Ça se voit, c'est visible, c'est palpable. On attendra des échos de cette église. Parce que d'ici là, Dieu va dégager une onction apostolique. Cette église va être plantée partout. Va commencer à être plantée partout. Ils vont entendre des cris. Et personne ne serait capable de freiner cette onction. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Ils étaient là comme des témoins. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des circonstances provoquées par le Seigneur. Parce que Dieu veut tirer gloire. Il y a un chanteur qui a chanté. Azwaka Kembo Namakambo Nyoso Lolenga Lingi. Cela veut dire,
Même lorsque la personne t'écrase, dans cet écrasement, Dieu va tirer la gloire. Dieu va tirer la gloire. Même lorsqu'on te minimise, Dieu est capable de tirer la gloire. Il y a des circonstances provoquées par Dieu. On a demandé à un aveugle, est-ce que tu étais aveugle? Il a dit, oui, j'étais aveugle. Mais comment est-ce que tu as recouvert la vue? Il a dit, je ne sais pas. Celui qu'on avait appelé Jésus, il m'a dit, vois. Et puis j'ai vu. On a demandé aux parents de cet aveugle, est-ce qu'il était vraiment aveugle? Et la Bible dit encore, un jour, les disciples ont posé la question à Jésus, cet homme est-il aveugle? Parce qu'il avait péché? Ou ses grands-parents avaient péché? Jésus a dit non. S'il est comme ça, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et qu'on sache que le Fils de l'homme est réellement Dieu. Il y a des circonstances que Dieu planifie. Parce que Dieu veut que tu l'adores. En vérité, nous sommes dans un temps. Il faudrait adorer Dieu dans la foi, mais dans la vérité. Cela veut dire, quand je dis, le Seigneur agit, ce n'est pas parce qu'on m'a prêché, non parce que je lis, parce que j'ai expérimenté. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est le temps que tu commences à expérimenter la puissance de la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Voilà pourquoi Dieu a l'habitude de faire passer ses serviteurs dans beaucoup de difficultés. Parce que lorsque son serviteur commencera à prêcher, il prêche le nom de l'histoire qu'il a lu. Mais il a expérimenté que Dieu agit, que Dieu donne, que Dieu bénit, que Dieu est Seigneur. Bien-aimé, le témoignage de la personne qui a vécu est différent de la personne qui n'a pas vécu. Celui qui était malade, papa a prié pour lui. Il se sent bien. Lorsqu'il dit, Dieu est guéri, c'est différent avec la personne qui n'a pas expérimenté la guérison. Le témoignage a beaucoup de convictions. Lorsque tu es convaincu, lorsque tu l'expérimentes, ces gens étaient devant là. Ils devaient expérimenter quelque chose. Matthieu 28, le premier verset, jusqu'au cinquième verset. Amen. Amen. Na sima ya sabata. Na tongo tongo mokolo ya liboso ya poso. Maria Magdala peo Marie Mususu. Bakende kotala nkunda. Petala. Koninga na makasi ya mabelezo amaki. Pwete mwanje moko ankolo akitaki utalikolo. Ayaki kolongo la libanga kopusa libanga. Pe avande la kiyango. Lo lenge na ezaki lokwa mokalikali. Pe bilamba na epembe lokola mamwe. Ba senjeli ba lenga ki na kobanga. Pe bakoma ki lokola bakufi. Pe mwanje azwi maloba. Ayebisi basi oyo. Bino bobanga te. Pwete na ebi ete bozo luka Yesu. Oya baka makina ekulusu. Amen, acclame le Seigneur. Tobete linkolo maboko. La Bible dit après le sabbat. Bibliya bina sima ya sabata. À l'aube du premier jour de la semaine. Na tongo tongo ya mokolo ya liboso. La Bible parle de deux femmes. Bibliya lobi elobe libasi mibale. Qui est allé au sépulcre. Oh bakende ki na nkunda. Je me suis posé la question. Na mituni motuna. Où étaient les disciples?
Où étaient les disciples? Mais les deux femmes allaient. Bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a des gens qui aimaient beaucoup le ministère de Jésus, c'était les femmes. S'il y a des gens qui accompagnaient Jésus, c'était les femmes. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin à quelqu'un, si tu as une bonne femme, réjouis-toi. Si tu as une bonne femme, réjouis-toi. C'était des femmes de distinction. C'était des femmes de distinction qui allaient vers Jésus-Christ. Souvent les gens pensent que la femme est faible. La femme n'est faible de sa nature. Mais à cause du Saint-Esprit, il n'y a pas du Saint-Esprit vert ou rouge. Il n'y a que le même Saint-Esprit qui rend les hommes capables, qui rend les femmes capables. Qui peut douter au ministère de la femme? Ces femmes allaient vers Jésus pour arranger le sépulcre de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible dit que l'homme a été créé, c'était par la poussière. Mais la femme, c'était l'os. Il est sorti de l'homme. L'os est quelque chose de trop dur. Dieu devait donner à l'homme une personne qui doit le soutenir. Une personne qui doit soutenir. Je dis à une femme ce matin, tu es forte au nom de Jésus. Tu es forte au nom de Jésus. Tu es forte au nom de Jésus. Et la Bible dit quoi? Lorsqu'ils sont allés, un ange est descendu. Il a roulé la pierre. Pas des anges. Un ange. Oh, je prie le Seigneur que le peuple commence à comprendre la puissance du nom de Jésus, la grandeur du nom de Jésus. La Bible dit, il va envoyer un ange. Il va envoyer un ange. Il va arrêter Satan et ses acolytes. Pas des anges. Les dieux que tu sers. Il est plus puissant. Il est capable de tout. La Bible dit, l'ange a roulé la pierre. Et la Bible dit quoi? Le soldat qui était là, il commence à trembler. Il commence à trembler. L'ange dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Je rends grâce à Dieu. Parce que l'ange ne s'est pas adressé à tes ennemis. Tes ennemis, c'est la peur qui les attend. Je prophétise ce matin, la peur de tes ennemis, ils sont en train de trembler. Les soldats étaient en train de trembler. Ils étaient en train de trembler. Mais pourtant l'ange a dit, pour vous, ne craignez point. J'ai dit ce matin à quelqu'un, pour toi, ne craignez rien. Pour toi, ne craignez rien. La peur n'est pas pour toi. La peur, c'est pour tes ennemis. L'ange voulait dire, vous êtes de notre camp. La peur n'est pas pour vous. La peur, c'est pour eux. La peur, c'est pour eux. Dis à ton prochain, la peur, c'est pour tes ennemis. La peur, c'est pas pour toi. Nous, c'est la foi. L'ange a fortifié la foi de ces femmes. Il ne s'est pas adressé aux ennemis. On ne va pas s'adresser aux ennemis ce matin. Laisse-les avoir peur jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Tes ennemis vont trembler. Mais pour toi, la Bible dit, ne crains de rien. Ne crains de rien. Ne crains de rien. Dieu motive ta foi ce matin. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La foi est merveilleuse.
Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas des hommes. C'est-à-dire, les hommes peuvent parler. Mais mets ta foi sur ce que Dieu a dit. Et quand je dis sur ce que Dieu a dit, Dieu utilise ses serviteurs pour parler de sa parole. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est sur Romains 10. En d'autres termes, la foi vient des informations et des informations qu'on a reçues de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens se fient aux informations. Les informations les dirigent. Notre information doit provenir de Dieu. Doit provenir de Dieu. Voilà pourquoi, même si le monde parle un autre langage, ce n'est pas mon problème. Je sais ce que tu avais dit. Je sais ce que tu avais dit. C'est là que je base ma foi. J'ai les informations. Tu peux souffrir aujourd'hui. Tu peux passer par des difficultés. Mais si tu as des informations de Dieu, que ton cœur se réjouisse. Et si vous continuez ce passage, la Bible dit, le disciple était enfermé quelque part. Et Jésus-Christ s'est apparu aux disciples. La porte était fermée. Jésus-Christ s'est apparu dans son corps physique pour qu'il y ait des témoignages. Il a demandé même qu'on puisse le toucher. Mais il ne pouvait plus utiliser cette petite porte pour accéder. Il était physique, mais dans la gloire déjà. Il était physique, mais dans la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il est entré sans pour autant toquer. Ils étaient enfermés. Mais Jésus-Christ est entré avec un corps physique, mais dans la gloire. Et qu'est-ce que dit la Bible? Nous sommes morts avec Jésus, ressuscités avec Jésus. Je me retire à quelqu'un. Malgré que tu portes cet corps, malgré que tu es physique, personne ne peut te freiner. Personne ne peut t'arrêter. Parce que c'est lui qui est dans sa gloire. Habite en toi. Le premier miracle que Jésus a fait, lorsqu'il est ressuscité, il s'est apparu à ses disciples tout en étant un corps physique mais glorieux. Je vais dire à quelqu'un, même si nous sommes physiques, personne ne peut nous limiter, parce que Dieu est en nous. Personne ne peut te freiner, parce que Dieu est en toi. Christ en nous, l'espérance de l'âme. On espère à la gloire. Et pour aller vers la fin, la Bible dit, avant son départ, avant qu'il monte, ses disciples l'adorèrent. La Pâque Pasika fait que nous puissions adorer Jésus. Le bénéfice de la Pâque, c'est l'adoration. C'est l'un des bénéfices. Papa avait parlé sur beaucoup de bénéfices. Lorsque vous lisez la Bible, il n'y a pas de place
où les disciples adorèrent Jésus. Mais ce jour-là, la Bible dit, ils adorèrent le Dieu. Parce qu'il était dans la gloire. Et ils ont su ce que Jésus avait dit. Ça s'est accompli. Personne ne pouvait empêcher la résurrection. Comment la terre pouvait contenir celui par qui la terre a été créée? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons bénéficier de tout le bénéfice de Pâques. Nous devons l'expérimenter. Expérimenter la Pâque chaque jour. À chaque instant. Parce que Christ est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Et voilà pourquoi je rentre debout. Ces gens-là, ils se sont souvenus de ce que Jésus avait dit. Souviens-toi toujours du jour de Pâques. Souviens-toi toujours du jour de la Pâques. C'est très important de s'en souvenir de ce que Jésus avait dit et de l'accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, le match était terminé. Jésus avait déjà gagné. Le match n'est pas à rediffuser. Le match est terminé. Je dirais le match est à rediffuser. Mais le match n'est pas à recommencer. Le match est déjà terminé. Vous savez aujourd'hui, lorsque vous regardez, je donne un exemple. Vita Imana en train de jouer. Vita na Imana bazobeta lisano ndembo. Eke Imana. Pe Imana. A menacé. A yebi bongo kokota penza ya ngambo ya Vita. Mais à la fin Vita avait gagné. Pe na suka Vita nde ya longi. Et lorsque ce match sera rediffusé, petango lisano na bakoya kolakisa yango lisusu. Les supporters de Vita qui ont peur, ce sont des supporters qui n'ont jamais vu ce match. Mais ceux-là qui avaient déjà regardé ce match, c'est-à-dire même pendant que Imane est en train de menacer, et ils savent la fin de toutes choses. C'est-à-dire même si Imane a menacé, mais ils savent en ce match on avait déjà gagné. J'ai dit à quelqu'un, même si le diable saute, qu'il danse, il a été déjà vaincu. Le match est déjà fini. Même si vous sentez des oppressions, même si le diable vous menace, il faudrait lui rappeler que ce jour-là, lui et ses acolytes étaient dans le cortège de la victoire de Jésus-Christ. Le match n'est pas recommencé. Le match est rediffusé. On a vu le Père faire ça. Jésus avait déjà gagné. Que le ce démon, que le ce démon qui peut vous maltraiter comme si vous êtes ignorant, au moins que vous soyez ignorant. Alléluia. Si vous n'avez jamais regardé ce match, moi je l'ai regardé. Jésus avait gagné. Jésus avait gagné. Et je sais que dans ce match, le diable a menacé les premiers jours. Il a menacé à tel point que il y avait le désespoir chez les disciples. Il y avait le désespoir. Bomba Koufi. Mutamakasi a Koufi. Pierre Moya Kata Motolito Isate pour Nani a Kozongisa. Mozongisi mato ya kufi. Muta pesa gama bakei.
Bote prié. Il y avait le désespoir total. Le premier jour, le diable menaçait. Et il était content. C'était le début de match. Mais il ne savait pas. À part le premier jour, il y aura un deuxième jour. Il menaçait. Et le deuxième jour arriva. Pour le diable, c'était le chaos total. Ah, c'est fini. Deuxième mi-temps. Le diable menaçait. Et tout le monde avait perdu l'espoir. Il n'y avait plus de foi. Chacun pour soi. Chacun dans son côté. C'était le deuxième mi-temps. Le diable menaçait. Mais le diable ne savait pas. Il y avait aussi la fin de ce match. Que le deuxième mi-temps ne signifiait pas la fin. Il était content. Il a dit, ah, ça c'est un chaos total. Alali match est sili. Mais Jésus était là. Les disciples perdant espoir. Chacun pour soi. Chacun de ses côtés. Rien ne pouvait marcher. Mais la Bible dit, à part le deuxième jour, il y avait aussi un troisième jour. Il y avait un troisième jour. Peut-être aujourd'hui, tu passes le deuxième jour. Peut-être le premier jour. Tu ne mourras pas avant le troisième jour. Tu ne mourras pas avant le troisième jour. Ce n'était que le troisième jour. Le diable a commencé à sentir quelque chose de différent. La terre a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. Jésus-Christ était là. Yesu na balé. Yesu na balé. A cueilli. A triplé. A triplé. A triplé. A mon terrain. A mon poteau. Tu m'as pas compris. On s'en solitait. Tango RD Sachaka. Tango RD Sachaka. Tango RD Samarkaka. Nanda Kunayo. Dans ta maison. On saute à capo RDC. Achebi. Je parle pas de la RDC. Je parle du Dieu de la RDC. Azu balé. Azu ballon. Azui balé. A triplé. Il s'avance. Accueille. Il dribble. Accueille. Il s'avance. Accueille. Il dribble. A body poteau. Que le Seigneur vous bénisse. Salité. Salité. Oh, yo, akoka ni na yo. Salité. Salité. Azalite, azalite, azalite. Yesu nanga. Solo azalite, 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 azalite. Yesu nanga. Sois ici.
Thank you.
prophète Dodo nous a parlé du Réma et de Logos. Les païens marchaient avec les paroles du Seigneur. Et ils voulaient vivre la véracité des paroles du Seigneur Jésus. Combien de fois Dieu te parle? Mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Ces gens ont pris les paroles du Seigneur. J'ai dit à quelqu'un ce matin que les paroles du Seigneur, c'est la vérité. Si Dieu te dit, à moins que ce n'est pas Dieu qui t'a dit, mais si c'est Dieu qui t'a dit, au travers sa parole, au travers ses serviteurs, crois cette parole, marche avec cette parole. Chapitre 4. Je ne suis pas orateur. Je vais apprendre à quelqu'un à parler à Dieu. Nous sommes debout. Ici, c'est la prière des apôtres, de Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient en train de prier. Ils ont dit ceci. C'est toi, verset 25, acte 4, 25. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi les nations se sont-elles agitées? Et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Là, ils étaient en train de prier. Maintenant, ils disent au Seigneur, c'est toi qui nous as parlé par le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit ne pouvait pas porter le corps physique, par la bouche de notre Père David. Combien de fois Dieu te parle au travers de ma bouche, au travers d'autres serviteurs? Si tu as une parole que Dieu t'a parlé au travers de ma bouche, au travers du prophète Dodo, ou bien notre serviteur partout, dis Seigneur, toi tu m'as dit ceci par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur Bouchiri, Dodo, je ne sais lequel. Comment ça parle? Rappelle-toi de ce que Dieu Kanisa onzamba lobela yo. Bandako kanisela yo. Tata, tu m'as parlé. Olobela kingai. Par le Saint-Esprit. Na lisungya moli mo santo. Par la bouche. Na munoko. De ton serviteur. Ya musali na yo. Si tu es le serviteur là que tu reconnais. Tata, mbwa musali wana olobela kayo. La promesse que Dieu t'a faite. Elaka onzamba pesa yo. Parle maintenant. Loba sikoyo. Rappelle à Dieu, parle, c'est la prière, parle. Ces gens marchaient avec les paroles du Seigneur parce qu'ils ont entendu le Seigneur Jésus parler.
Lorsqu'on te dit de parler, tu t'étais, tu es dans autre chose. Je vais prier pour une catégorie d'enfants. Ça m'est monté au cœur depuis hier. Ma prière pour le moment. J'ai dit à Dieu. Je veux maintenant. Que tu élèves les enfants qui prient dans mon église où tu m'as établi, pasteur. C'est ça ma prière élevée de mon cœur maintenant. Je pleure chaque jour. Ce que je vis, je ne le mérite pas. Oyo nazo bikela eza yango te sengelaki. Je veux prier. Nako sambela. Si tu sais que soko yebiete ton élévation kotombwa na yo sera pour la gloire de Dieu ekoza pona nkembo na Nzambe et que tu serviras le Seigneur dans cette communauté. Pe okosaela Nzambe kati na lotombo oyo na eti na yamba oyo. Viens. Yaka. Mais si tu sais que soko yebiete, tout ce que Dieu te donnera oyo nzamba ko pesa yo, ou là où il t'amènera kende bisiko ne profitera pas dans cette communauté et kozala pona eke yamba oyo te, ne viens pas koyate. Je dis ne viens pas. Koyate soko yebiete oyo nzamba ko pesa yo ekozala pona litomba ya yamba oyo te kopusa na te. Ne viens pas. Koyate. Je prie ici, j'ai fait deux ou trois dimanches ici. Nasa biyenga mi baleto pe misato mbela. J'avais détruit le gouvernement Ilunkamba. Na yeba iko bebisa oyo mbula bata Ilunkamba. Parce que j'avais une colère sainte. Si tu sais que tout ce que Dieu va te donner c'est pour toi, ne viens pas. Toi qui es assis, ne te lève plus. Tout le okay. Monde qui est assis là, ne vous levez pas. Oyo nyonso a telema kite, ko telema lisusu te. Tikala kaka ya kovanda. Oki ko pusa ambo ko toyo, to tomboli maboko na biso mbale. Père, tata, tu m'as dit. Oyebi sakingai. Que de toi. Ete ko uta kati na yo. Sortiront. Bakobima. Des rois, Bankumu. Des princes, Bana Bankumu. Je prie, na bondeli. Pour que cette grâce, pwete ngoluana. Descende, ekita. Dans cette église, na kati na tonga oyo. Dans tous ces enfants ici, na kati na bana moko na moko na boba telemi. Donné. Oyo yo pesa kingai.
Je libère ce matin. Na fungoli na tongo alelo. L'onction. Et pas quoi? Des grandeurs. Yako koma mtu munene. Des grands. Yako koma mtu munene. Des grands. Yako koma mtu munene. Cette onction descend sur toi. Pe et pas quoi wane kitili kolona yo. Ça te prend en bas, ça t'amène. Et lokotio na se et matisio likolo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Reçois cette onction. Yamba ko et pas. Reçois cette onction. Yamba et pas quoi. Reçois cette onction. Yamba et pas quoi. Que la grâce te touche. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, j'ai tant pleuré. Tata na lelipe mingi. Jusqu'au point où les gens me disent. Kino kokoma na batuba yebisangai. Où est le Dieu de Boussine? Où est Pinzamba? Où est le Dieu de vie? Laisse les gens travailler. Laisse le Saint-Esprit travailler. Pika mwalimo mosanto asal. Père! Tata! Jusqu'à quand? Kino tangoi. Les gens me diront. Batuba koe. Dieu de Bouchy. Ouais, le Dieu d'Elie. Ouais, Père, descend ce matin. Quitte la tongo et allez-le. Ainsi. Sala. Fais des gens des millionnaires en dollars. Sala, batouba, comme la bosse, ma casse, y'a ma dollar. Fais des gens des présidents de la République. Comme ça, des ministres. Des DG. Des ministres. Des généraux. Rien que pour donner un $100, c'est tout un problème. Rien que pour donner un $10, c'est tout un problème. Oh Père, où est mon Dieu? Où est-il mon Dieu? Où est-il mon Dieu? Où est-il mon Dieu? Où est-il mon Dieu? Descends ce matin. Agis. 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 Oh Seigneur Jésus. Colo Yesu. Le MRTNC ne méritait pas d'être locataire. MRTNC yango esengelite etika la kakofu. Seigneur. Colo. Combien de personnes tu as élevé dans ce monde au travers de mon ministère. Nanzela ya lotomo. Je demande maintenant au Père. Na sengi sikoyo tata. Mais à part. Tia pembeni. Mais à part. Tia pembeni. Toi qui connais les cœurs. Yo yo yebi mitema. Toi qui connais les cœurs. Yo yo yebi mitema. Toi qui connais les cœurs. Yo yo yebi mitema. Tia pembeni. Tia pembeni. Tia pembeni. Tia pembeni. Tia pembeni. Qui connais les cœurs. Yo yebi mitema. Ces gens qui vont te servir. Ces gens qui vont travailler pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, Colo, mets-les à part. Tiens, bango pembeni. 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 Tiens, bango pembeni. Tiens, bango pembeni. Aujourd'hui. Lelo. Il n'a rien. Côté. Mais c'est toi, Jésus. Yesu. Qui a tout. Yo dosana nyoso. Qui peut tout. Yo dosana kanyoso. Je prie au Père. Na bondeli, tata. Justifie mon ministère. Papa, lobela lotomo nanga. Justifie mon ministère. 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 Lobela lotomo nanga. Tu m'as donné le fardeau de ce pays. Il est là. Azao. Il y a une onction qui descend. Ezana et pas quoi oye qui. Il y a d'autres qui ne résisteront pas. Ezana ba misusu oye ba ko résisteront pas. Okokoka ko ba ya bote. Parce que c'est une onction très puissante. Tazoyo ka pas quoi ya makas. Reçois. Ayamba yango. Reçois. Ayamba. Jésus. La combat à Jésus.
Moana ya voisin, atikali moana ya nani ya voisin. Akozonga pa ya tatane. Akozonga kaka kune bana bango. Moana ya moto asaka moana. Kasi moana ya ndaku, atikali kaka moana ya ndaku. Tata! Tata! Glorifie ton fils. Akumisa moana na yo. Afin que ton fils puisse te glorifier. Pwete moana na yo pe akumisa yo. Que tu m'as donné. Na lotomo yo yo pesa kingani. Je prophétise. Nazo sakola. Je prophétise. Nazo sakola. Que toi. Yo. 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 Tu as une grande autorité. Tu as une grande autorité. Je te déclare président de la République. Je te déclare première dame. Je te déclare ministre. Je te déclare DG. Je te déclare un grand entrepreneur. Une grande femme d'affaires. Une grande femme d'affaires. Au nom de Jésus. L'onction est là. Et par quoi Ezawa? L'onction est là. Et par quoi Ezawa? Dieu te parle. Dieu te parle. Zambé azolobela yo. Pendant que je parle. Natango na zoloba. Je vois maintenant. Na moni sikoy. Des mains des gens. Na maboko ya batu. Avec de l'argent. Na misolo. Avec les diamants. Na ba diamant. Avec l'or. Avec des livrets parcellaires. Il y a une personne ici. 3, 4, 5. Dieu te fait entrer dans l'immobilier. Donc tu vas construire des immeubles. Et ces immeubles-là. Des immeubles. Des immeubles. Cette onction te touche. Cette onction te touche. Tu es appelé à construire des immeubles. Tu vas construire des immeubles. Tu vas changer. Il y a deux personnes dans l'immobilier. Ils auront leur cité à eux. Par exemple, cité Oasis. Donc, toi, c'est le propriétaire. C'est moi le propriétaire. Je vois des gens ici qui créent leur propre entreprise. Bango, bakeli misala ya bango moko, ya gouvernement ya bango moko. Et tes entreprises auront l'impact au niveau de la nation et au niveau du monde. Pe misala wana bino moko sala, ya moye makolo ko simba na ingomba, pe na mokili mobimba. Et qui feront de toi? Pe eko sala ete yo.
millionnaire en dollars. Il y a des mains. Maintenant ça va chatouiller, tu vas taper d'une façon et ne force rien, ne force rien, ne force rien, ne force rien. Ne change pas d'adresse. Ne change pas d'adresse. Parce que ces gens-là sont tes témoins. Même dans l'église. Le frère est là. La soeur est là. Il est ton témoin. Je vois une forte grâce. La grâce de Dieu est là. Et c'est la grâce de Dieu qui le fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment, prophète. Et qu'il t'amène encore dans les hauteurs. C'était une journée prophétique. Laissez ces gens-là, laissez-les. Laissez le Saint-Esprit agir dans leur vie. C'est toi qui nous as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur David. Chaque fois rappel à Dieu. Tu m'as dit j'aime le Seigneur. Arrête. Ne sois pas distrait. Occupe-toi de toi-même là. Si tu vas adorer le Seigneur, commence à l'adorer. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. Reçois la grâce. Je prophétise sur tes affaires. Je déclare que tu deviens une grande femme d'affaires. J'ouvre les grandes affaires. Tu sortiras. Tu iras en Chine, tu iras en Dubaï, en Turquie. Et je déclare l'élévation de ton mari à un poste de responsabilité. Ce matin, je mets fin à tout ce qui est adjoint. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Yambangolu. Je prophétise sur ta vie. Même les enfants là que ce mari t'a laissé là deviennent des témoins. Même pour l'ascension de notre Seigneur, il y avait des témoins. Sylvie, yes. Sylvie, Yaka. Le monde saura que j'ai un Dieu. Toute femme
femme qui a été abandonnée par son mari, viens. Moi, si nyonso oyo mobali a sundola ki yaka. Viens. Yaka. Nathalie. C'est lui qui ne veut pas, il reste. On ne force pas les choses de Dieu. Ton mari t'a abandonné avec les enfants. Viens. Mobali a sundola yonabana. Que ces enfants là, leurs enfants, soient témoins de leur papa, ya papa na bango, de leur famille paternelle, papa afin qu'ils sachent que Jésus restaure. Yesu abongisaka. Yamba. Reamas. Sanda babas. Rose. Jésus. Jésus. Ceux qui ont part aux souffrances. Ba oyo bazwaka etendi na tango moko ya passe. Ils ont su part à la consolation. Eza na tango mususu bazwaka pe oyo ya kobondisama. Que les enfants. Tika ete bana. Les mêmes belles familles. Ya libota. Deviennent. Bakoma. Témoin. Banzengene. Pokea. Yamba. Reçois la grâce. Yamba ngoluana. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Rose. Yakabababas. Pokea. Yamba. Lève tes mains. Fungola maboko na yo. Chinere. Toka. Bima. Reçois la grâce. Yamba ngolu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Yamba kolu. Oh yamba. Reamas. Pokea. Yamba kolu. Reamas. Raba baba santa. Yoroso. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu est là. Kolu nzambe za. Elle te localise. Et simbio. Pokea. Yamba. Les enfants deviennent témoins de leur maman. Amen. Amen. Lève tes mains. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour. Au nom de Jésus, je déclare que toutes ces personnes deviennent témoins de l'amour de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Réamas. Pokea. Yamba. Pokea neema. Yamba. Pokea neema. Yamba ngolu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Prophétique. Les lois alikata pépé alisakoli. Les alikopépa. Mon meilleur ami,
mon ami de tous les temps, mon ami de tous les temps. Mon meilleur ami, mon ami de tout, toujours prêt à me consoler. Constance, avance. Maman Constance, on quitte quoi à l'imposo. Quand la dépression a frappé à ma porte. Impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon ingénieur, mon ingénieur, ta réunion sans Jésus. Mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Papa, j'avais dit ici, si Donald Trump, ce qui Donald Trump ne passe pas président, aleki mokonzi ya mboka te, je laisse de prêcher. Nakotika kote. Avant-hier, lobby, j'ai créé une autorité. Nakela ki mokonzi moko. Mais qui ne prie pas ici? Kasia bonde la kawati. Dans les jours à venir. Mikolo alikoya. Il sera nommé. Akozala. Bako tombola e. On m'a amené dans un groupe. Bamema kinga bisika moko. J'étais avec ma fille Mireille Basir, avec son équipe, avec toutes ces personnes qui sont. Nazalaki na mona nanga Mireille Basir wana mobali na ye na batu misusu. Aujourd'hui. Lelo. Je fais de toi. Na sali yo. Ministre. Ministre. Prenez-moi la photo. La photo. Bon film. J'ai vu. J'ai vu. Namoni. Ta fidélité. Boyenge beninayo. Ta loyauté. Boyenge beninayo. Ton humilité. Komikiti sanayo. Le Dieu que je sers. Nzambe onga na zo salela. Qui est derrière? Oya ta sima. Des paroles. Yamaloba. De ses serviteurs. Yabasali naye. Aujourd'hui. Lelo. Dans ce pays. Namboka oy. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Je fais de toi. Na sali yo ministre. Un jour. Mukolo moko. Maman Rosette était ici. Maman Rosette avanda na kiti wana sima. Je lui dis lève-toi. Na yebisa ke na lobi telema. Viens ici. Yaka. Je fais de toi ambassadeur. Na sali yo okoma ambassadeur. Si vous sachiez. Soki boyebaka. La personne qui est devant vous. Mutu oya telemi liboso na bino. Vous n'allez pas me prendre comme vous me prenez. Ici. Bino bokokaki komona ngate lolenge bomona kanga. Encore un peu de temps. Etikani kaka bangonga muke. Vous me verrez ici peut-être une semaine. Okobanda komona ye peut-être na poso mbala moko. To atana sanza mbala moko. Je te crée. Nakelio. Ministre. Ministre. Le Seigneur dit ceci. Kolo alobi boy. Ce que vous lierez sur la terre. Oyo bino boko kanga na mabele. Sera lié où? E kanga mi pe wapi na likolo. Ce que vous délierez. Oyo bino boko yeba na kokangola. Sur la terre. Awa na mabele sera délié. Et kokango la mawapi au ciel. Na dikolo. J'ai beaucoup pleuré. Na leli pe mingi. Maintenant je ne pleurerai plus. Siko na kolela lisusu te. Ce kaka motema na ngai sepeli na yo na fulio. Vous savez? Lorsque le Seigneur Jésus dit sefora. Kolo Yesu alobi. Matthieu 7 6. Na buku ya Matayo sambo molongo na ngoya motoba. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Biloko est saint ou est pas yabamboa.
Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur que ils ne les foulent aux pieds. Ne se détournent et ne vous déchirent. Combien de gens nous injurient? Combien? Parce que nous donnons les choses saintes. Pasteur, mets-toi debout. Pasteur, où sont les pasteurs du MRTNC? Venez ici. Ne donnez plus de choses saintes aux chiens. Avant de libérer une onction sur quelqu'un, avant yambo de chercher yambo une pambola, regarde. Est-ce un chien? Obanina nous commet tout na. Il azamboa, toi azamboate. Est-ce un cochon? Azangulu, toi azangulu te. Il y a de ces bénédictions là. Ezana ma pamboli musu. Que Dieu te donne. Oyonzamba pesio. C'est pas parce que c'est toi qui as prié. A pesio te pote yo bondela kito ozana ni ozana. Il y a de ces choses là que les gens ont. C'est parce que nous avons prié. Et lorsque nous nous prions, si Dieu ne sauce pas, en tant que serviteur de Dieu, je serai découragé. Alors il est obligé de te donner même si. Wana nzambe akopesa yo ata soki motema na yezo sepela te. Et conséquence? Pesi manango sali nini? Nous créons des Saül. Wana okuti ba Saül ba komi ebele. Nous créons des Saül. Ba sali nzambe babandi kokela ba Saül. Des gens qui ont fait très mal à Dieu. Ba to ba sala ki nzambe motema pasi makasi. Qui ont fait très mal. Ba o ba sala ki motema nzambe pasi. Au peuple de Dieu. Pena libota na bana nzambe. Toi là, tu as reçu mon cœur. Yo sepeli si mon tema nanga. Ok, Anem. Iambangolo. Je te nomme ministre. Na commission ministre. Pas vice-ministre. Vice-ministre te. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Dodo, c'est entré. Mosakoli koti. Allez bien méditer Matthieu 7, 6. Kende o manyola malamu malamu matay o sambo molongo ya motoba. Et c'est le jour que je priais pour que les gens soient bénis. Eza mukolo na bondela ki mingi pwete nzambe apambo la pe batwe bene. C'est ce malade que Dieu me donnera ce jour. Wana pe si manangonde nzambe ape singa maloba oye. Prends ton offrande. Zouali bonza na yo. Qui a apporté l'argent pour l'achat parcelle? Qui a apporté l'argent? Pour celui qui a apporté l'argent pour l'achat parcelle, viens me donner. Oya mimaki misolo pona kosomba lupango apesi yango na maboko ya papa.